Tu es jeune, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu n'as pas d'idée de business et tu ne sais pas comment faire pour avoir une idée de business. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te partager la meilleure manière de trouver une idée de business. Bonjour à tous et bienvenue sur Capital. Sur cette chaîne, on parle de business et de mindset. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux gagner de l'argent en faisant du business, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, c'est quoi être entrepreneur? Être entrepreneur, c'est être quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Quelqu'un qui est persévérant. Quelqu'un qui n'abandonne pas à la moindre difficulté. Parce que dans l'entrepreneuriat, on rencontre toujours des difficultés. Mais à la différence d'un amateur, un vrai entrepreneur arrive à surmonter les difficultés. N'abandonne pas à la moindre difficulté. Et l'amateur, lui, à chaque fois qu'il rencontre un problème, il abandonne. La meilleure manière de trouver une idée de business, c'est de regarder dans son entourage. Quelles difficultés rencontre son entourage? On va prendre un exemple. Quand tu pars au marché, tu trouves que le poisson coûte cher et tout le monde se plaint de ça. Les gens se plaignent du fait que le poisson coûte cher. Toi, tu peux trouver une solution à ça. En faisant de l'aquaculture, élever du poisson et le vendre sur le marché. Tu as trouvé un problème, tu as trouvé une solution. De cette solution, tu gagnes de l'argent. C'est comme ça qu'on trouve une idée de business. Le deuxième exemple, dans ton entourage, il y a beaucoup de diabétiques et tout le monde sait qu'il n'y a pas de médicament contre le diabète. Si tu arrives à trouver une solution à ça, en ayant le médicament contre le diabète, tu as trouvé la solution à un problème. Cette solution est ton idée de business. C'est comme ça qu'on trouve des idées de business. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement de trouver une idée de business et se lancer. Non. Avant de se lancer, on fait une étude de marché et l'étude de faisabilité. On identifie le besoin. On analyse la concurrence avant de se lancer. Mais pour cela aussi, le domaine dans lequel tu souhaites te lancer, rapproche-toi des personnes qui le font et apprends auprès de ces personnes avant de se lancer pour éviter les surprises. Si dans ta localité, il n'y a pas des gens qui le font déjà, aujourd'hui nous sommes dans un monde où tu n'as pas besoin d'être dans une zone géographique pour te former. Rapproche-toi des personnes compétentes qui sont déjà dans le domaine, qui ont eu de l'expérience et qui réussissent. Retiens bien cela, qui réussissent dans le domaine et apprends auprès de ces personnes pour te lancer dans l'activité que tu souhaites te lancer. Mais retiens une chose, ton idée de business vient de la solution d'un problème. C'est la solution d'un problème qui est une idée de business. Alors si jusque-là tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à laisser des commentaires si tu souhaites me poser des questions. Je tiens à répondre personnellement. Et abonne-toi à la chaîne pour m'aider à faire grandir cette communauté. Merci, à très bientôt.